mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Et mon frère vient sur le mal. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort. J'aime pas Martine, mais j'aime faire la bise, aux bibis. Oui, j'aime faire la bise, aux bibis. Victoria Jessica a envie qu'une de nos amies, qui vient d'arriver, Christine Delaroche, vienne nous chanter une chanson. Tu viens, Christine? Bravo. De nous dire bonne année. Bonjour. Bonne année. Bon, alors, tu as le trac, j'espère? J'ai très, très peur. Bon, c'est très bien. Je suis morte, j'ai le rhume, j'ai jamais chanté en direct. Alors ça va sûrement être catastrophique. Jamais chanté en direct. Jamais. Alors attention à vous. Ça va être affreux. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Je n'aurais vraiment pas dû choisir cette chanson-là. Ça fait 3 heures que je répète. Les musiciens sont fatigués. Le chef d'orchestre est mortifié. Le technicien veut s'en aller. Et mon directeur va se fâcher. Et moi je commence à m'inquiéter, à m'énerver. Je sens ma voix qui va lâcher, qui va craquer. Blanc, ça m'est arrivé. Je m'en doutais, je l'avais dit, mais pourquoi donc avoir choisi cette valse-là, puisque je peins, composé tant de préludes, moins difficile à quatre tristesse, mon Dieu, mais maintenant il est trop tard pour reculer. Le studio va bientôt fermer, il faut vraiment se dépêcher, tant pis si je suis ridicule, tant pis si les programmateurs de la télé, de la radio se moquent de moi. C'est quand même insensé, je croyais bien y arriver avec les leçons que m'a donné madame. Comme ça, je croyais que j'allais faire mouche avec la tête que font les gens, je crois que c'est raté. Autour de moi, je sais ce qu'ils pensent, cette petite-là, pour le classique, elle repassera dans Belfédère, c'était pas mal, mais dans Chopin, elle ne fait vraiment, vraiment pas le poids. Dire que j'aurais pu chanter un slow qui aurait certainement mieux marché. Dire que j'aurais pu chanter un slow qui aurait été le tube de l'été. Je n'aurais vraiment pas dû chanter cette chanson-là. Ça fait 3 heures que je répète. Les musiciens sont fatigués. Mon parolier est en colère. Et finalement, le chef d'orchestre m'a engueulé. Alors moi, j'ai très envie de pleurer. J'ai envie de tout laisser tomber, les gens sont méchants, intolérants dans ce métier. Je suis vraiment une petite fille abandonnée, qui ne sait plus très bien tout ce qu'elle fait. Mais après tout, ça ne va pas se passer comme ça, on va bien voir ce qu'on va voir. Je ne vais pas me laisser faire, une de la roche va jusqu'au bout. Et tous les hommes dans ce studio vont déchanter dans un instant. Je respire un bon coup et à la mémoire de Jean, je sens des deux chapins. Je vais montrer que finalement, je pourrais justifier mes moyens en arrivant à la fin. Ah, mais...